Yvette Brutus, représentant tête collectif paysan haïtien dans commune Baradé dans département NIP, présenté quelques revendications paysan yo qui nan kayi a. Li cité faut que l'état qui prend responsabilité concernant sa population à manger pour vendre peuple pas dépendre des pays étrangers. L'état doit mettre campé bon l'école accent alphabétisation dans section communale yo, yon façon pour peuple ka apprendre li ak écrit pour les paysans yo pral voter, c'est pas moun ki montre yo qui est pour voter. Yvette Brutus. Donc nous de chita sur terre d'attente et nous faut que l'état ça nous bon l'état qui est responsable. Nous l'état qui grand monde tête li qui pas blague bonne vote, qui pas blague vote nous sous compte étranger, qui pas ouvrir votre pays à bail pour du pépé rentrer pour dévaloriser votre national nous. Et faut que mettez bon gens conditions pour monde qui peut travailler terre et mettez moyens dans pour inara qui vous faire bon genre réforme agraire côté moun k'ap travay terre c'est eux même qui jwenn terre et encore tout pour ta créer des mesures pour moun ki k'ap travay terre pour pa gagne randon yo grand manger pa exploiter pour retirer terre nan men yo et après ça nous classe des pipi défavorisé yo c'est ti moun k'ap faire ti commerce yo moun k'ap travay terre de moitié yo pa gagne mon vraiment moyen nan men yo pour travay. Et yo ap prend bout de point ya très cher nan yon taux qui vraiment élevé et nous demandé l'état haïtien pour ta mettre vraiment bon condition pour moun ka prend point ya yo moun ka pay point escompte nan yon taux pour ta mettre un taux qui vraiment pas dépasser 1% pour moun sa yo jwenn moyen pour capable vraiment travailler et pour vraiment travailler pour moun ka produire richesse parce que c'est eux même qui responsable richesse dans pays ya. Et encore, pour nous être capables de faire élevage, travailler dans de bonnes conditions. Tu as créé l'hôpital dans plusieurs communes et tu as fait des concentrations et des centralisations pour poster l'État, aller plus près des citoyens et surtout dans la section communale. Et des fois, tout, petit paysan, ils ont fait effort, petit paysan, ils ont terminé l'école classique. Il arrive dans un moment où il ne peut pas continuer encore parce que pas gagné l'université au niveau ni département ni commune. Il y a des fois des communes qui ont un seul lycée. Lycée ça pas suffit pour recevoir tout petit paysan. Dans ce sens, c'est les gens qui ont plus de moyens qui ont accès pour petit yo aller à l'école. Et pour ça, tout il y a des gens qui ont un petit peu de moyens vraiment en classe, mais par rapport avec moyens économiques. Mais il n'y a pas de l'école qui peut recevoir les petits paysans, parce que les petits paysans ne sont pas capables d'aller à l'école. Et nous avons demandé à l'État pour les pencher vers les paysans. Les paysans qui travaillent terre, les paysans qui travaillent des matières. Et nous demandons tout pour nous créer un bon genre d'alphabétisation pour les gens qui sont grands, qui n'ont pas de chance pour aller à l'école, dans les petits. Et puis pendant que les grands sont tous, ils sont capables d'apprendre à lire et à écrire. Parce que la majorité des problèmes, nous constatons, et surtout dans cause d'élection, les gens qui ne peuvent pas voter, c'est parce qu'ils ne peuvent pas lire à écrit, toujours font un paquet d'embouteillage. Donc si les gens ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas choisir mon niveau. Et puis tout, nous avons remis l'État qui sortit dans le camp, dans ce peuple-là, l'État qui ne reste pas avec encore.